Toujours l'honorable Seigneur Maurice André Koyete, directeur exécutif du Comité interafricain, expert de la Nation Unie. Guinée équatoriale, Mbolo. Africa, Mbolo. Excellence et très chers frères, président Théodoro Obiang Nguema Mbazoko, président de la République de Guinée équatoriale, président fondateur du Parti démocratique de Guinée équatoriale, Excellence, Monsieur le Vice-président, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, honorables invités panafricanistes, Mesdames et Messieurs, chers Manu Dibango, porte-flambeau de la culture africaine, Monsieur le Président, Madame la Première Dame, merci. Merci de m'avoir invité sur le sol panafricain de Guinée équatoriale. La seule chose qui m'a gêné, c'est la lettre d'invitation. Je n'en avais pas besoin pour venir ici. La Guinée équatoriale est ma deuxième patrie. Je suis de la Guinée Conakry, mais la Guinée équatoriale est ma deuxième patrie. C'est seulement chez moi, en Guinée Conakry, et ici, en Guinée équatoriale, ici seulement, que moi, je respire l'air de la liberté, l'air de la dignité et l'air de la responsabilité africaine. C'est ici. À la faculté de médecine de Conakry, j'ai dormi avec le docteur Ndongo Mathias, peut-être qu'il est là. Nous avons dormi sur le même lit pendant notre formation à Conakry. Donc je ne viens pas ici comme invité spécial, je viens chez moi. Je ne vous apprends rien quand je vous dis que les grands médias non africains ont leurs propres images de l'Afrique. Les médias internationaux non africains, ils ont leur propre image de notre continent. Qu'est-ce que vous voyez sur les télévisions? Des enfants mal habillés, au ventre ballonné, des fermiers et des éleveurs semi-habillés, côtoyant des lions, des hyènes, des éléphants, des routes défoncées, des guerres fratricides, des familles entières, avec des baluchons sur la tête, fuyant des zones de conflit, des conflits créés par des mains magiques, en quête de pillage, des milliers de jeunes échouant dans les eaux de la Méditerranée. Des conflits pré-, père et post-électoraux arbitrés et manipulés de l'extérieur de l'Afrique. C'est ça les images de l'Afrique que vous voyez sur les médias internationaux. Même quand un scientifique africain fait une découverte, les médias occidentaux ne le présentent pas dans son laboratoire. Il n'est pas interviewé dans son laboratoire. Il l'interview sous un manguier, un cocotier, en tout cas une partie de la bourse, pour bien spécifier en filigrane que sa découverte scientifique est une exception qui ne lui donne pas droit à la communauté scientifique mondiale. C'est cette fausse image de notre continent que Afrique Média et son fondateur, Justin Tambou, ont renversé
en montrant simplement la vérité sur l'Afrique. Nous ne demandons rien. Nous demandons la vérité sur notre continent. La vraie Afrique, celle de l'amour et de la fraternité. L'Afrique des défis et des acquis humains et historiques. L'Afrique libérée de l'esclavage, libérée du colonialisme. Et surtout, l'Afrique luttant pour briser les chaînes du néocolonialisme dédié en partenaires techniques et financiers qui paient $1,000 comme ticket d'entrée pour donner le droit de piller le sol, le sous-sol, les mers et les océans de l'Afrique. Mesdames et messieurs, ce que je vais vous dire aujourd'hui sur la Guinée équatoriale et son président, notre frère, le panafricaniste Théodoro Obiang Nguema Mbazogo, vous le savez peut-être ce que je vais dire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce que je vais dire est interdit. Il est interdit de dire. Et moi, je vais le dire. La seule image que l'on a fabriquée pour coller à notre cher pays, la Guinée équatoriale, la seule image qu'on a, c'est ce que nous voyons quand nous nous réveillons le matin sur les médias internationaux, sur les ondes de radio internationales. Guinée équatoriale, procès, appel, c'est fini, c'est ça votre image. Mon Dieu! Vous savez ce qui est interdit d'être dit sur vous? Il est interdit de dire que la Guinée équatoriale a été colonisée de 1499 à 1968. Ça, on ne le dit pas. Vous avez été colonisé pendant 499 ans, 7 siècles. Personne ne le dit sur les médias internationaux. Mais moi, je le dirai. De dire que la Guinée équatoriale est le seul pays, je dis le seul pays en Afrique, à renverser en pratique le fameux paradigme, je ne cesserai jamais de le dire, le fameux paradigme ridicule et offensant pour nous les Africains. Paradigme qui veulent que, écoutez bien, chers frères et sœurs, le pétrole soit une source de bonheur en Arabie Saoudite. Le pétrole, une source de bonheur au Koweït. Le pétrole, une source de bonheur aux États-Unis, en Russie, au Qatar, en Lyon, etc. Oui, partout dans le monde, le pétrole soit une source de bonheur. Mais qu'en Afrique, le même pétrole soit une source de conflit et de malheur. Pourquoi ? Le président, il dit non. Pour moi, le pétrole et le gaz sont aussi des sources de bonheur en Afrique. Et je vais le prouver. Savez-vous que dans certains pays africains, les populations ne découvrent que leur pays est producteur de pétrole qu'à la télévision ou sur les ondes de radio. Il y a certains pays en Afrique. Le villageois, c'est à la télévision ou à la radio qu'il apprend que son pays est producteur de pétrole. C'est tout. Dès que le pétrole est découvert, certains chefs d'État ont fait des grands discours, grandiloquents, en vantant le mérite de l'agriculture, en demandant aux populations d'oublier le pétrole, puisqu'il est maléfique, diabolique et conflictuel. Suivez mon regard. On dit aux populations, on a trouvé le pétrole, mais pardon, c'est la guerre, c'est le conflit. Oubliez, allez en Brousse, allez labourer, ça n'a rien à voir. Le président Obiang Nguema, il dit non. Il dit le pétrole, à la fois, peut développer des infrastructures et booster par conséquent l'agriculture. Il dit, l'aide n'exclut pas. Allez voir des cérémonies de signature de protocole d'accord entre des pays producteurs de pétrole non africains
l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, et des pays africains producteurs de pétrole. Tous les mêmes produits de pétrole. Mais ici, un protocole d'accord pour que les uns viennent aider les autres alors qu'ils ont le même pétrole. On voit ça. C'est une honte pour l'Afrique. N'oubliez jamais que quand notre frère, le président Théodoro Obiang-Nguema en Bazoko, quand il arrivait ici aux responsabilités, parce que ce que nous devons savoir, en Afrique et dans le monde, il y a ceux qui arrivent aux responsabilités comme lui et ceux qui arrivent au pouvoir. Alors, mesdames et messieurs, quand le président arrivait à la tête de la Guinée équatoriale aux responsabilités, je suis panafricain, je suis guinéen et quoi que guinéen, je n'ai pas peur de le dire. Quand il arrivait au pouvoir, votre pays, notre pays était insignifiant, en faillite, un pays instable, en été, illettré, sans service de base, sans infrastructure, sans électricité, un pays qui courait derrière les bailleurs de fonds, pour derrière. C'est ça. Le pays minuscule, instable et très pauvre, la Guinée équatoriale a pris son envol, un envol spectaculaire. Et la Guinée équatoriale s'est posée dans la cour des grands du développement économique social. Vous êtes dans la cour des grands du développement. Mais je n'invente rien. Regardez ce palais. Sortez de ce palais. Regardez ce pays. Des hôpitaux, des écoles, des universités sur toute l'étendue du territoire. Des larges rues modernes, propres et éclairées. D'innombrables logements sociaux partout. Un service de télécommunication performant. Des buildings flambant neufs. Un taux de croissance à deux chiffres. Des banques et des hôtels qui sortent de terre ici. Des populations surtout. Tout ce que j'ai dit n'est pas important. Mais des populations, vous, depuis d'ici, nous sommes là. Nous dansons avec vous. Des populations souriantes. Heureuses de vivre dans leur propre pays. Heureuses de vivre dans leur pays. Mais pas seulement ici, dans la capitale, Malabo. Mais partout dans le pays, je le sais, dans le pays, partout. Bata, Ebébéi, Makonébé, Anishok, Louba, Okoro, Polisco, Bani, Mikouba, Moussang, Niéban, Rémora, tout le pays est prospère, tu sais. Il est de dire cela, nous le dirons. Lorsque je parle pour votre pays, votre beau pays, c'est ce que j'ai fait encore depuis mon arrivée, je me pose la question, comme tous ceux qui viennent ici, est-ce que la Guinée équatoriale est en Afrique? C'est la question que tous les touristes se posent ici. Regardez autour de vous, dites, est-ce que nous sommes en Afrique? Eh bien, nous sommes en Afrique, grâce au leadership de notre frère. Nous sommes en Afrique. Monsieur le Président, cher frère, développez votre pays avec les ressources que Dieu a données. C'est cela qui indispose les néocolonialistes. Ils se disent, mais qui a autorisé Obiang-Nguema à faire ça? Qui l'a autorisé à faire ça? En Afrique, qui? Oui, parce que pour construire un hôpital en Afrique, il faut aller dire Madame Banque Mondiale, Monsieur Fonds Monétaire, s'il vous plaît, donnez-moi la permission de construire. Donnez-moi la permission de construire un hôpital dans mon pays avec mon argent. Je dis non. Je dis j'ai le pétrole, je le sors, je le vends, je construis mon pays. Je peux être aidé techniquement par qui veut m'aider, mais je le fais moi-même, je prends la décision. C'est ce que je dis. Moi, je réponds que c'est Dieu et le peuple de Guinée.
équatoriale, c'est Dieu et le peuple, vous, de Guinée équatoriale, qui lui ont donné la force et la capacité de développer son pays. Quand Dieu et le peuple autorisent, Monsieur le Président, vous n'avez besoin d'aucune autre autorisation. Dans l'avion qui m'a amené d'Addis Abeba à Malabo, j'étais assis avec un homme d'affaires français. Et comme il savait que je venais ici, nous avons échangé sur la Guinée équatoriale, j'ai caché un peu mes sentiments. Et parlant du président Obiang-Nguema, il me lance gentiment, c'était pas méchant, il dit, mais ce président ne parle pas pour nous. Il ne communique pas. Je l'ai regardé, j'ai souri et je lui ai dit, monsieur, le président Obiang-Nguema ne parle pas parce qu'il travaille, il est occupé. Vous ne pouvez pas travailler et parler. Je vous ai dit tout à l'heure que les colons ont fait 499 ans ici, 7 siècles en Guinée équatoriale. Ce sont ces 499 ans de domination coloniale qui doivent renforcer notre foi en Dieu. Pour ceux qui méditent, parce que nous n'avons plus le temps de méditer. Mais pour ceux qui méditent, qui réfléchissent, qui se couchent, qui réfléchissent, la dimension spirituelle de l'échec du colonialisme se trouve là. Mes chers sœurs, mes chers frères, le premier puits de pétrole a été foré le 27 août 1859 par l'Américain Edwin Drake à Titusville, en Pennsylvanie. De 1859 à 1968, date de l'indépendance de la Guinée équatoriale, soit 109 ans. 109 ans. Les colonialistes n'ont pas découvert le pétrole de la Guinée équatoriale. Et n'ont pas dit. 109 ans. Même le premier régime qui est venu avant nous, votre frère, n'a pas vu. Vous savez pourquoi? Dieu leur a caché le pétrole. Dieu leur a caché le pétrole. Ils avaient toutes les technologies. Ils ont vu aux États-Unis. Ils n'ont pas vu votre pétrole, parce que votre pétrole, Dieu l'a attribué à vous, à travers votre pétrole. Si vous avez vu ce pétrole, vous seriez encore dans l'esclavage. Mais il n'est pas d'africanisme pragmatique, ça aussi c'est un délit. Le père du panafricanisme en Afrique, Haïlé Selassie, Kwame Nkrumah, je salue la délégation de l'ANC. Nasser, Julius Nyerere, Sékou Touré, je salue sa fille ici. Aboubakar Tafewa Balewa, Modibo Keïta, Senghor, Ofoué-Poigné, Patrice Emery Lumumba, je salue son fils ici, Roland. Ces figures-là ont posé la première pierre du panafricanisme africain. Et ils ont élaboré la théorie, une théorie simple qui se résume comme ceci. Si l'Afrique s'unit, elle deviendra une force politique, économique et sécuritaire invincible. Pourquoi devrions-nous oublier que la Guinée équatoriale et son président ont sauvé l'Afrique quand il fut question d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations de football dans un pays non africain? Parce que c'est le football, c'est déjà parti, tout le monde a oublié. Mais moi je n'oublie pas ça. Et les vrais panafricanistes n'oublient pas ça. Même si c'était un jeu. Parce qu'ils voulaient organiser ça au Qatar. Donc on allait appeler Coupe d'Afrique des Nations au Qatar. Où est l'Afrique? Et notre frère, le président, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais si un autre pays non africain organise cette coupe, il ne faudra plus la Coupe d'Afrique. Et il dit, il reste combien de mois? Écoutez-moi. On attribue l'organisation de la Coupe d'Afrique au pays 3 ans, 4 ans, 5 ans avant pour qu'il se prépare. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et il dit, mais c'est quand? On lui dit, monsieur le président, c'est dans 3 mois. 3 mois. Il dit, si c'est pour défendre l'Afrique, la Guinée équatoriale fera en 3 mois ce que les autres font en 5 ans. Et vous l'avez dit. Pourquoi devrions-nous oublier
que vous avez fait supporter par votre pays, l'organisation de la conférence des donateurs pour combattre l'épidémie à virus Ebola, qui s'était abattue sur la Guinée, mon pays, le Libéria et la Sierra Leone. Vous avez mobilisé des donateurs en contribuant le premier à hauteur de 1 million de dollars américains. À l'ouverture de cette conférence sur Ebola, le président a dit ceci, une phrase qui doit rester dans la tête de tous les panafricains, de tous les Africains. Il dit, tant qu'il y aura un Africain malade, toute l'Afrique doit se sentir malade. Que les néocolonialistes vous combattent. La preuve a été faite en Gambie. Lorsque des mercenaires ont été envoyés pour fomenter un coup d'État et déstabiliser votre pays, ils voulaient assassiner votre président parce qu'il a interdit de développer son pays sans demander la permission. C'était tout, c'est son crime. J'ai pris ma plume, je lui ai écrit. Et je lui ai adressé cette lettre, j'ai dit, Monsieur le Président, n'ayez pas peur, l'Afrique vous soutient, Dieu vous soutient. Amen. Nous rentrons ici, ceux qui ont passé des dizaines d'années à vilipender l'Afrique, à vilipender votre président, à vilipender la Guinée équatoriale, quand ils vont rentrer ici, ils vont se frotter 100 fois les yeux pour se rassurer qu'ils sont bien dans leur pays. Pendant que certaines premières dames font leur course sur les Champs-Élysées, à Manhattan, à Westminster et à Dubaï, c'est là qu'on trouve plusieurs premières dames. Vous, Madame Constance Gardien, vous portez votre tenue. Il y a les images que nous a partagées. Vous vous mettez en jogging, vous, madame, pour aller embrasser les pauvres dames. Pour aller à la chasse à la pauvreté. Vous êtes une chasseresse de la pauvreté. Qui dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme? Non, c'est une faux action. C'est pas vrai. Il faut dire, dans votre cas et dans le fait, qu'à côté, de chaque grand homme, il y a une grande dame. Au diable, pas patron, merci au peuple de Guinée équatoriale, merci à l'Afrique et ses bénis et fils. Merci. Je vous remercie.